Den der also du am Funk geholt, wir in Kontakt mit den ausländischen Kollegen, wir den Fabrecht zu erhalten. Wir zu sehen, wie sie schaffen, wir ihnen mal so wie Mott rüberzubringen, wir schaffen. Und wir sollten genau heute mal 10 ausländische Hundstapeln haben. Und die quer durch den Garten, Deutschland, Belgien, Frankreich, Holland. Und es geht darum, wie die Expertise, die wir präpariert haben, dass sie die Märkte machen und hier eventuell etwas beilegen. C'est pour la cinquième fois que cette journée internationale a eu lieu au Luxembourg. Bien que les policiers luxembourgeois se forment pour la plupart du temps à l'étranger, c'est une occasion d'échanger les connaissances et les expériences. Cette rencontre consiste aussi en différents ateliers auxquels nos chiens policiers ainsi que leurs maîtres sont confrontés. Certains auront l'habitude, d'autres devront faire face à des situations tout à fait inconnues. La plupart des chiens sont de races de pur sang, notamment des malinois et des bergers belges. Et bien sûr, c'est rare qu'il existe des chiens femelles. Mais à quoi servent ces exercices et surtout ce dernier qu'on vient de voir sur ces images? Le but de mon exercice, c'est d'abord pour montrer comment schwer das ist, dass wir gleichzeitig einen Hund an einen Waffe zu feuern, die zwei Mal nehmen. Andererseits auch für zu gucken, wann geschossen die Hund ist, wie den Hund dann reagiert. Das waren Hunde, die sind an die Waffe gesprungen. Einer, die verhält sich ganz ruhig. Und das auch doof, wenn der Hund möchte eben nicht das Gelegenheit zu geben, der dann zu weisen hat. D'autres exercices demandent beaucoup de courage, comme on peut le voir sur ces images-ci. Ceci implique une grande discipline de la part du maître face à son chien. Et même ici, les règles diffèrent d'un pays à l'autre. Certains chiens policiers peuvent attaquer le visage de leur agresseur, tandis que d'autres ne peuvent pas attaquer au-delà du buste de l'attaquant. Et ceci n'est pas tout. Ainsi, descendre le long d'une façade en rappel n'est pas à la portée de tout le monde. Les policiers allemands, par exemple, ne pratiquent pas cet exercice, tandis que les luxembourgeois s'entraînent régulièrement. Même les chiens doivent y croire et certains semblent avoir plus de difficultés que d'autres. En clair, chaque pays a ses coutumes et ses habitudes. À noter que plus de 40 policiers venant pour la plupart de nos pays voisins sont venus participer à cette journée. Quant au Luxembourg, l'unité de garde et de réserve mobile compte 10 chiens policiers.